Salut à tous, donc on se trouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V, donc pour vous présenter donc un nouveau véhicule. Je sais pas quand est-ce que le véhicule est sorti. D'habitude il sort le mardi. Bon bref, je vous fais la vidéo, tant pis, hein, même s'il y a un petit peu de retard pour ceux qui désireraient l'acheter ou quoi. Alors juste avant de continuer, ce qui va se passer c'est que je vais parler un petit peu de la vidéo FAQ. Donc en fait j'ai eu un petit souci, la vidéo FAQ, enfin elle est déjà sortie très tardivement, mais elle devait pas sortir maintenant tout simplement parce que je voulais la recommencer. Il y avait des trucs qui me convenaient pas, il y avait d'autres sujets que je voulais aborder et tout, il y avait d'autres trucs que je voulais parler, etc. et tout. Et si vous voulez, voilà, je voulais tout simplement recommencer, ce qui fait que je l'avais upload, j'avais mis une date vraiment très loin pour la sortir et j'avais validé justement cette date et la vidéo est sortie bien plus tôt. Donc ça m'a un petit peu fait chier, c'est encore un bug de chez YouTube. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon bref, voilà, je tenais quand même à m'excuser par rapport à ça et voilà. Donc là on va continuer sur ce véhicule. Donc c'est pas mon type de véhicule, hein. Je préfère tout ce qui est super sportif, etc. et tout. Bon, je vais quand même ouvrir un petit peu toutes les parties ouvrantes, hein, pour ceux qui voudraient voir un peu. Oh, putain, en plus il pleut, fait chier. Voilà un petit peu à quoi ressemble le véhicule. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment pas mal au niveau de la customisation. Tac, on va rétablir tout ça. Tac, tac, tac. Et c'est parti, on va le customiser. Allez hop. Donc c'est un véhicule que j'aurais bien aimé voir chez Benny. Enfin, je pense que ça aurait été une bonne idée. Tac, donc le blindage à fond. Ah, il y a des remises sur les freins. Ah oui, effectivement. Tac, donc le pare-choc avant. Donc on va avoir des trucs bien 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 sales, je pense. Cas de phare, 12, ok, bah non, c'est pas si violent que ça. Je vais mettre celui-là. Alors attendez, je sais même plus ce que j'ai mis à l'avant. Oui, si, je vais mettre. Bah écoutez, ouais, je vais mettre celui-là. Déjà, il n'y a pas énormément de choix là. Moteur, on va le mettre niveau 4. Échappement à bout chromé. Ah oui, d'accord, ok, c'est sur les côtés. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Explosif calandre. Ok. Calandre couleur 2, déchromé. Non, on va laisser comme ça. Le capot. Ah, c'est moche. Capot carbone. Waouh, ça c'est stylé ça. Franchement, et puis la prise d'air elle est vraiment énorme. Tac, ok. Le klaxon, éclairage. Donc fer, tac. Kit néon, support néon. Bien évidemment, on va mettre des néons. Je pense même qu'on va laisser le véhicule en jaune. Je vais voir après, mais. Tac. Les motifs. Alors là, on se retrouve avec ouais, les flammes. Bleu. Ok. Oh, c'est deck ça. Bah j'hésite entre celui-là ou celui-là. Alors si je laisse comme ça, et puis après je mets des petits trous bleus, ou je ne sais pas du tout. Flamme jaune, ou alors je laisse un petit truc. Bon, je vais mettre cela pour le moment, on verra après. La plaque, petite plaque. Jaune sur noir, ok, alors je vois pas du tout où est la plaque. Non, elle est même pas devant. Ouais, non, je sais pas. Peinture, couleur principale. Du coup, on va essayer. Ah oui, d'accord, on peut changer. Et si je mets en acier noir, comme ça. Bon, je vais essayer de faire ça. Attendez. Tac, tac. Tac. Et là, je vais essayer de remettre la même couleur. Noir carbone. Ouais, dans tous les cas. Attends, je vais mettre en noir. Et peinture. Tac, ok, ça en a fait. Ah oui, donc on a l'arceau derrière. Alors ça, c'est pas terrible. Celui-là, il est pas mal. Mais il me semble qu'on avait un véhicule dans ce style-là. De chez Benny. Ok. Ouais, non, ça c'est moche. Je préfère qu'on voit à la limite. Vendre, non. Aileron.
Oh, c'est ouais, alors c'est clair que si je le fais comme ça, il n'y en aura pas beaucoup qui l'auront fait comme ça. Ah, mais non, mais sans déconner, qui peut mettre un aileron comme ça là-dessus? Je pense qu'on va partir sur. Bah écoutez. Non, je pense que je vais mettre celui-là. Tac. Attendez, 2 secondes, parce que du coup, dans la. Ouais, non, j'ai bien été jusqu'au bout. Suspension. Bah écoutez. Je sais pas si je le rabaisse au max ou pas. Le mieux, je pense que c'est de le rabaisser, hein. Ouais, je vais le rabaisser. C'est plus stylé, ça fait les roues plus. Suspension pare-soleil. Ouais, donc ça, c'est assez classique. Ouais, on va en mettre un. Transmission. Tac. Plateau. Ouais, donc c'est. Ah ouais, alors il y avait vraiment moyen. Attendez, je vais aller jusqu'au bout, mais il y avait vraiment moyen de faire un truc sympa. Ouais, il y avait moyen de. Ouais, si j'avais laissé plus de chrome, ça aurait vachement bien rendu. D'ailleurs, je pense. Ah, quoique. Ouais, si, je pense. Bah, je sais pas trop. Si j'ai laissé le chrome à l'avant. Ouais, on va laisser comme ça. Le turbo, tac. Les roues. Type de roue. Ouais, alors après, je peux mettre. Enfin, ça dépend des genres, de la façon dont vous customisez les véhicules. Moi, je pense que je vais partir sur des roues lowrider. Ça fait longtemps que j'ai pas mis ça, mais ça va. Attends, je vais essayer de mettre les roues dollar. Alors, je pense que je vais. Bah, je sais pas. Franchement, j'ai pas trop d'idées. Après, je peux repartir sur du noir. Et je peux aussi mettre du bleu. Hein. Voilà, je peux mettre du bleu comme ça. Pneu custom, à la limite. Mais ça, c'est un véhicule qui aurait dû être chez Benny. Bleu, je vais mettre du noir en pneu custom. Et ce qu'on va faire, attends, je vais juste aller jusqu'au bout. Et je pense qu'après, on va revoir au niveau des roues ce que je peux trouver. Si je peux faire un truc encore plus joli. Type de roue, non. Oui, si, type de roue, autant pour moi. Et après, on va aller dans Lowrider. Et du coup, je vais regarder. Du coup, ils vont me proposer d'autres styles. Et on va. Ça, c'est vrai, je les mets jamais. J'ai bien envie de les mettre. Et vous savez quoi, je vais les mettre. Et ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, je vais m'occuper de la couleur. Éclairage. Kit des roues. Super. Non, couleur des roues, pardon. Et là, on va mettre du bleu. Sauf que ça va peut-être pas être. Ouf, non, pas croûte. Bleu. Tac. Ok, donc là on a mis du bleu. Et là, ce que je vais essayer de retourner un petit peu dans les couleurs, voir si on peut trouver un petit peu mieux que ce que j'ai mis, tout en laissant en bleu. J'essaierai bien. C'est vrai que j'aurais pu laisser. Tac. Éclair. Hop. Tac. Peinture. Ok. Et du coup, on va essayer de partir sur une autre couleur. Du coup. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi, c'est vrai qu'il est pas mal comme ça, il claque aussi en blanc. Ouais, comme ça, il est pas mal aussi en mauve. Ah, il est pas mal comme ça. Il y a un beau. C'est sympa. Bon bah je pense que je vais le laisser en mauve. Après voilà, hein, rouge ça passait aussi, bon, ça flashait bien, ça c'est sûr, mais tac, alors le mauve il était où? Je ne sais plus, il était plus loin. Bon après voilà, hein, les goûts et les couleurs, vert, mauve, bleu. C'était à 70 je crois. Alors je sais plus, il y avait celui-là ou celui-là. Où il y avait aussi le mauve nocturne. Franchement, je trouve que ça claque comme ça. Allez, tac, on va partir là-dessus. Tac, tac, j'ai fait le tour. Non, j'avais même pas fait le. Si, si, ça, je l'ai fait. Aileron, suspension, pare-soleil, transmission, je l'ai fait. On a tout fait. Ok, c'est bon. Nickel. Il fait pas nuit.
Bon, j'ai mis un petit peu de temps à, à le customiser. Ouais, si, franchement, je trouve ça claque. Ah oui, peut-être que je vous ai pas montré un petit peu à quoi ressemblait l'intérieur. Ouais, donc véhicule de place. Hein, Allez, allez, voilà. Voilà, il dérape énormément. Donc voilà, moi après, c'est un véhicule que j'aurais bien aimé voir chez, chez Benny. Il a l'air de. Ouais, il roule. Ça va, franchement, ça va. Bon, alors je suis pas très doué pour tout ce qui est drift, etc. et tout, mais bon, ceux qui kiffent ça, je pense que ils vont se régaler. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Je vous dis pas de vous abonner, liker, partager, commenter. En tout cas, merci, merci à toutes les personnes qui me suivent. Je dirais que j'étais assez étonné, je me suis amusé tout à l'heure à aller voir dans les statistiques de YouTube, enfin dans les statistiques et tout au niveau de mes vues et tout. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes oui, des Canadiens, ça, qui regardaient les vidéos, Suisse, etc. et tout. Il y avait plein d'autres pays, et notamment la Belgique aussi en deuxième position. Donc bah aussi la France, mais aussi la Belgique. J'étais assez étonné, donc bah merci à tous ceux qui me suivent et tout le soutien que les personnes m'apportent, etc. et tout. Donc voilà, donc on va cesser là-dessus, ne pas vous abonner, liker, partager, commenter. Et donc moi je vous dis à une prochaine. Bye!